Alors, bonjour à tous. On est le 29 avril 2021, 17h18 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on est dans ce contexte qui sent la fin du monde, le contexte dans lequel on est ressemble un peu à un contexte d'apocalypse. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous avez remarqué, je ne me plains plus des politiciens. Parce que les politiciens sont les politiciens. Et c'est leur rôle d'être ce qu'ils sont. Et ils le remplissent très bien. Et d'ailleurs, on serait assez mal placé pour se plaindre d'eux quand c'est nous qui les mettons en place. Donc, il faut avoir un peu de cohérence. Les politiciens sont politiciens depuis toujours et changeront jamais. Ils sont là pour te raconter des histoires, des exagérations, des fausses prétentions, souvent ce qu'on appelle communément de la bullshit. Ils sont spécialistes, ils sont comme les gérants du département de la bullshit. Donc, ils font leur travail parfaitement. Donc, on ne peut pas se plaindre des politiciens. C'est ça leur rôle. C'est dans leur nature. Et ça, c'est coast to coast. Puis c'est tout autour de tous les pays que tu rencontres sur la planète. Tous les politiciens sont pareils. Donc, on ne peut pas se plaindre d'eux parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Puis ils le sont parfaitement. Et franchement, c'est un peu malhonnête de les blâmer pour ce qui se passe dans nos vies alors qu'on ne les voit jamais, on ne les rencontre jamais. On n'a jamais de discussion avec eux. Ils ne viennent jamais nous emmerder. Ils sont là à faire leurs petites affaires puis ils ne dérangent personne. Donc, ce qui se passe dans nos vies à tous les jours, on ne peut vraiment pas le blâmer sur les politiciens. Ce n'est pas eux autres qui viennent t'annoncer tes mauvaises nouvelles dans la vie. Pas eux autres qui viennent voler ta tondeuse quand tu l'as oubliée puis que ton voisin ou quelqu'un d'autre est venu te la chercher. C'est pas les politiciens qui viennent t'affecter au jour le jour. Et c'est ça qui est fascinant et c'est comme ça que j'ai pris une prise de conscience puis je me suis rendu compte qu'on chiale contre les politiciens parce que c'est facile. Hein? Il n'y a rien de plus facile que de chialer contre les politiciens puis tu sais que tu vas avoir des pouces en haut sur toutes les plateformes, si tu chiales contre les politiciens. Surtout sur un certain type de politicien qui va plaire à un certain type de la population, puis d'autres qui ne plairont pas. C'est aussi malhonnête, cette façon de réagir. Donc, les politiciens, tu ne peux pas les blâmer pour ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas à cause d'eux autres que tu t'es fait foutre dehors par ton patron. Ce n'est pas à cause d'eux autres que tu as payé trop cher aux commerçants du coin. Et toutes les autres choses qui se passent dans ta vie, tu ne peux pas les blâmer sur le politicien parce qu'eux autres, ils ne gèrent pas ta vie, ils gèrent les grosses affaires. Par contre, puis on le sait, les politiciens, comme je vous l'ai dit, ils sont ce qu'ils sont. Mais dans le reste de la société, oh là, on a un gros problème, puis ça, on n'aime pas ça, se faire des examens de conscience. Bien plus facile de dire « C'est la faute de Macron, c'est la faute de Trudeau, c'est la faute de... » Ah, mais c'est jamais la faute de l'évêque, mais c'est jamais la faute de Trump non plus. Mais maudit que c'est la faute de Biden, c'est la faute des démocrates, c'est la faute des libéraux. Moi, je vais te dire une chose, entre toi et moi, c'est le monde ordinaire, c'est la population qui est pleine de marde. Puis ça, c'est mur à mur. Les professeurs sont pleins de marde. Les femmes de ménage, maintenant aussi, sont pleines de marde. Il n'y a plus personne qui fait ce qu'il y a à faire. Les pompiers, les policiers vont aussi bientôt demander à ce que leur profession soit changée. Ils vont sûrement commencer à exiger que tu éteignes le feu avant que tu les appelles. Tu vas appeler le 911, puis là, tu vas être là. « Oui, madame, j'ai un feu à déclarer ma maison. T'es en train de brûler. » « Ouais, mais avez-vous maîtrisé le feu? L'avez-vous éteint? »« Non. »« Ben, allez éteindre le feu, puis vous nous rappellerez après. » Tu sais, t'en es presque rendu là. Le monde ne veut plus travailler. Le monde ne veut plus rien faire. C'est comme tu vas appeler le 911, tu vas dire « Madame, 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 il y a ma femme qui vient d'avoir une attaque cardiaque. »« Ouais, mais l'avez-vous ranimé? Non. C'est pour ça que je vous appelle. »« Ben, ranimez-la, puis après ça, on ira vous voir. » Tu sais, les médecins de première... ligne ne voudront plus non plus travailler, j'imagine. Puis les policiers, ça va être pareil. Oui, madame, madame, je viens, je vous appelle pour déclarer un hold-up. Un hold-up, ils sont en train de le faire en ce moment.
Ouais, puis les avez-vous arrêtés? Non, c'est pas ma job. Ben, arrêtez-les, puis après ça, on ira vous voir. Tu sais, c'est comme. Parce que je vous dis ça, parce que c'est le monde qui est plein de chenottes, comme on dit. Moi, je me rappelle l'anecdote d'une femme de ménage qu'on avait appelée. Ben, d'abord, que j'avais rencontrée au restaurant parce que c'était une de mes clientes. Puis à un moment donné, ma femme est enceinte, on a deux enfants. Moi, je travaille deux jobs. Je me dis, ça serait peut-être agréable d'avoir une femme de ménage chez le bordel à la maison. Puis ma femme, pas trop portée sur le ménage, puis moi non plus. Puis en plus, on est dans les circonstances que je viens de te décrire. Je sers cette femme-là, très charmante. Elle me dit, je suis une femme de ménage. Je dis, ah, ben, on parle, on parle. Elle me dit, c'est 120$ pour la séance. Tu sais, ça me, quand tu m'as dit ça me rappelait une autre profession, puis je vais y revenir après. Ben, je dis, OK. Je dis à ma femme, regarde, j'ai cette cliente-là, c'est une femme de ménage. Qu'est-ce que tu en penses, même qu'on l'essaie? Ben, elle dit, OK. Donc, moi, je me rappelais des femmes de ménage quand j'étais petit, parce que ma mère était très occupée, elle avait des foyers de personnes âgées, puis des ainsi de suite. Elle avait quelques femmes de ménage. Je me disais, une chose, ça travaillait, ça n'arrêtait pas, ça venait faire de la lessive, ça venait faire de la vaisselle. Là, moi, je l'appelle. Ouais, je lui dis, ouais, c'est Jean de tel restaurant. Elle dit, ouais, je me rappelle de toi. Bon, ben, j'ai dit, j'en ai parlé à ma femme, on est prêt à utiliser vos services. Elle me dit, OK, elle dit, ben, assurez-vous quand je vais venir qu'il n'y a rien qui traîne par terre, que les planchers soient propres, qu'il n'y a pas de vaisselle, qu'il y a. Puis là, elle commence à me donner sa liste d'exigences. Je dis, coudonc, dans ma tête, je dis, je suis en train d'appeler une femme de ménage? Ou bien non, je suis en train d'appeler un foreman qui va venir inspecter le ménage que moi j'ai fait avant qu'elle vienne. Ben, j'ai dit, sais-tu quoi? Je comprenais pas trop, j'étais un petit peu pris par surprise. J'ai dit, OK, on se voit demain. Ben. Là, elle est arrivée à la maison, puis elle a vu un petit peu le bordel. Elle a dit, ben non, je peux pas faire ça, là. Dans ma tête, je dis, écoute, c'est une femme de ménage. Elle est là, pourquoi? Ah, elle est là, j'ai compris pourquoi. Parce que les femmes de ménage, maintenant, ils ne viennent plus faire le ménage. Il faut que tu fasses le ménage avant qu'ils viennent. Eux autres, elles viennent faire briller la robinetterie. Là, elles vont venir, puis elles vont te faire briller ton miroir, elles vont te faire briller tes robinets. 120$. J'ai dit, ça se peut pas. Donc, la femme de ménage te demande de faire le ménage avant qu'elle vienne, elle, pour faire le ménage. On revient au plus vieux métier du monde, la prostitution. Tu vas avoir besoin des services d'une prostituée. Elle va-tu te demander que tu te branles avant d'aller avoir? Non, mais il n'y a plus personne. Donc, moi, les politiciens, je les blâme plus parce qu'ils n'ont pas à prendre le blâme de quoi que ce soit dans nos vies. Parce que c'est le monde qui nous entoure. Les profs. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les profs se fendaient le derrière en quatre pour s'assurer que l'élève, quand il partait à la fin de la journée, connaissait ou retenait ou avait compris la matière qu'on lui avait présentée. Aujourd'hui, les profs sont pleins de marde aussi. T'envoies tes enfants à l'école, puis ils reviennent, puis ils n'ont rien appris, puis ils n'ont rien compris. Puis là, toi, comme un vrai soccer, il faut que tu te retournes vers l'aide au devoir, le tutorat. Ça te coûte 15, 20, 30 piastres de l'heure. Parce que les profs n'ont pas fait leur job. Il n'y a plus personne qui veut faire sa job. Mécanicien, vas-tu falloir que je fasse ma vidange d'huile avant d'aller le voir pour qu'il fasse la vidange d'huile? Il n'y a plus personne qui veut rien faire. C'est le monde à l'envers. Les politiciens, eux autres, sont parfaits. Eux autres sont pleins de marde, sont corrompus, puis ils viennent te le dire. Ils n'ont pas de fausses prétentions. Ils disent, nous autres, on est pleins de marde, puis on est corrompus. Vous aimez ça? Continuez à voter pour nous autres.